Bonsoir Bertrand. Bonsoir Mohamed. Oh, oh. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Patrick. Bonsoir nous. Allez-y, 3 secondes supplémentaires. Nous sommes le 15 février, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir, mais un peu quand même. Clermont-Ferrand qui compte 2 fuseaux horaires. On discutait avec François Rage. Bonsoir. Bonjour. La journée de Camilla qui ressemblait à un trip sous LSD. Oh non. Puisqu'elle a rencontré les chanteuses de la pub GMF qui nous saoulent. Ah non, c'était Ricola. Voilà. Avant de taper la discute à un virus, Camilla, enchantée. Chlamydia, enchantée. Et enfin, Emmanuel Macron a découvert son discours en direct. 50th anniversary of the International Energy Agency. The International Energy Agency, and we will fight. If we are to move away. Anglais très libre, une fois de plus. Hein. Voilà, mais c'était enregistré. Un ami. À la une de ce jeudi, on tomberait pas un peu la veste là pour aller boire une petite mousse en terrasse, parce qu'il fait quand même, il fait bon pour un 15 février, non? C'est le redoux, couvert en direct des températures anormalement élevées pour une mi-février qui soulève donc de nombreuses questions, et non pas concernant la fonte des oursons, mais sur la conso des clients. Qu'est-ce qu'ils mangent justement avec ces belles températures? Est-ce que ça change leur habitude de consommation? Oui. Ok, non, mais concernant les températures anormalement élevées. Non seulement vous avez fait tomber la veste, mais en plus vous avez retroussé les manches. Ok, mais au moins ils pensent à tout le monde. On va pas se plaindre parce que on pense quand même à ceux qui sont dans le Nord, qui nous regardent peut-être avec une doudoune. Alors que nous, on est sous un cagnard, il fait une chaleur. Hier, le Premier ministre était l'invité du 1945 d'M6. Il est notamment revenu sur l'une des polémiques récentes. Le tweet d'un député montrait Gabriel Attal en train de partager avec ses copinous du gouvernement une photo de sa chienne Volta, alors qu'à la tribune, il était question de pénibilité au travail. La cellule com de crise et alibi de Matignon disposait de 10 jours pour pondre une excuse béton. Challenge relevé. Je n'avais pas prévu spécialement de communiquer sur ma chienne. Et en fait, j'ai reçu une photo d'une de mes sœurs qui m'a envoyé une photo de ma chienne quand j'étais à l'Assemblée nationale. J'étais à côté de collègues ministres. Bah, spontanément, j'ai envie de leur partager la photo parce que vous voyez, elle est trop mignonne. Ben oui. Attendez, c'est ça la justification? Oui. Après, c'est vrai qu'elle est quand même trop mignonne. On a envie d'elle lui dire oh, t'es trop mignonne, c'est qu'il lui fait perdre. Bon, allez, on oublie la polémique. Dans le reste de l'actualité, les cambriolages de stars qui se poursuivent. Selon les infos de l'ABC, Fabien Galthié se serait fait dérober sa paire de lunettes iconiques, la pare-brise de chez Carglass. Après enquête, nous avons retrouvé la coupable, il fallait chercher du côté de Bercy. Rendez les lunettes de Fabien Olivier Grégoire. Ils ont aussi piqué le concept de silence ça pousse. Toujours délicat d'intervenir après Bruno Le Maire. Je n'ai pas ses talents de jardinier, je n'ai pas sa culture du jardin à la française. Et oui, car Bercy est désormais également le ministère du jardin et de la tonte. L'objectif de ce texte, je le dis à mes amis parlementaires, c'est de transformer un maquis en jardin. C'est un des grands sujets politiques nationaux et européens des années qui viennent. Il a changé, Stéphane Marie. Il s'agissait évidemment d'une métaphore, le sujet était la simplification. Et alors, on connaissait les talents de Bruno Le Maire en latin avec sa fameuse expression la tabula rasa. C'est pas italien, hein. Tabula rasa. Aujourd'hui, nous avons découvert ses talents en allemand, Deutsch Qualität, mais je le soupçonne de nous avoir enfumé. Et je reprendrai volontiers le mot allemand qui va nous servir de ligne de conduite, débureaucratisierung, débureaucratiser. Non, on a vérifié, mettre ung à la fin d'un mot n'en fait pas pour autant un mot allemand. Bon appétit ung, comme on dit à Berlin. Un Bruno Le Maire conteur, et ce soir je plains ses enfants, parce que s'il leur lit les mêmes histoires pour les coucher, je ne suis pas sûr qu'ils s'endorment avec le sourire. J'ai rencontré il y a quelques jours un entrepreneur qui me faisait part de certaines absurdités. Il a envoyé des fleurs à une de ses assistantes qui venait d'avoir un enfant. Avantage en nature, redressement fiscal. En revanche, quand il a envoyé des fleurs à la famille d'un de ses collaborateurs décédés, pas de redressement fiscal parce que pas d'avantage en nature, le collaborateur est mort. Bonne nuit les petits, sympa. Allez, une autre histoire, père Castor. Je vous donne un autre exemple, celui d'une entreprise chimique que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Elle devait faire un bassin, un réservoir. Et donc, l'Adréal lui a indiqué que le bassin, il valait mieux qu'il soit dans ce sens-là. Oh là là, mais comment cela va-t-il se terminer? Que proposait le service incendie, père Castor? Le service d'incendie qui a dit « Ah non, il vaut mieux qu'il soit dans le sens inverse, parce que comme ça, vous garderez de l'eau qui pourra servir en cas d'incendie. » Conclusion, l'entrepreneur, j'ai fait un bassin plat. »
mais que de rebondissements. Une histoire que vous retrouverez prochainement adaptée sur Amazon Prime. Et on filerait pas à l'Assemblée ? Non, oui, vraiment, si, oui, si, merci, si, ça m'arrange tellement, j'ai préparé des magnétos à ce sujet. Un hémicycle clairsemé, selon LCP. Est-ce qu'il y avait du monde dans les tribunes ? Eh bien, écoutez, Brigitte, c'était pas un franc succès. Alors, on a vérifié, il y avait du monde, regardez, c'était plein à craquer. Sauf en plan large. Oui. Voilà, c'est pour ça. Non, mais de l'autre côté, c'était blindé. Sauf en plan large. C'est pas mal, cette technique, hein. Alors, on accuse souvent les députés d'être trop bruyants. Tout de suite, un spa auditif, hein, un jour du week-end, avec une compile des micros coupés par la bosse de l'Assemblée. Le 12. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, madame la présidente. Ça fait du bien, et ça ne vous aura pas échappé. C'est jeudi, et l'afterwork a débuté dès 14h à l'Assemblée. Depuis plusieurs jours, la sphère complotiste, elle s'agite pour faire ce qu'elle sait faire de mieux, enfreindre la liberté d'expression, cadenasser le débat scientifique, se cache des charlatans. On se demande si ces personnes ont réellement lu le texte. Tu restes un peu de Manza. Je mets aussi des petites curlies pour éponger quand même, s'il te plaît. Alors qu'au Sénat, c'est quand même d'un autre niveau. Hier, c'était la Saint-Valentin et certains sénateurs avaient sorti le grand jeu. Merci. 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 Ah bah oui, il a fait péter la cravate, Alain. Pendant ce temps, la cote de Nicole Belloubet est au top. Madame Belloubet. Je suis désolée que ma réponse soulève déjà ces regrets que j'entends dans vos voix. Amélie Oudéa Castéra et Rachida Dati ont été punis. Allez hop, sur les strapontins, et on n'en parle plus. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Habile astuce de Marc Fesneau pour ôter un Mickey. On feint de se gratter la barbe alors qu'on rêve d'une chose, hein. Les deux doigts dans le kiff. Et le ministre Valletoux poursuit son sans faute dans les prises de parole. Le gouvernement n'a pas l'intention d'abandonner le projet que vous évoquez de transfert de charges sur les... Ah, je vais y arriver. Oh, ça nous rappelle les pires heures de Patrick Cohen. Il y a Gérard qui... Gérard qui finit sa nuit sur BFM, comme d'hab. Sur le fond, je suis quelqu'un qui est contributif. C'est aussi l'approche qu'on peut avoir. Parler de constitution, c'est dans la constitution. La montagne, mais la destination de la montagne, c'est une destination où... Il ne sait même pas à qui il s'adresse, toute interview. Le président du Sénat, qui, selon les infos exclusives de l'ABC, a fait un petit détour par Dubaï pour faire des injections de collagène dans les lèvres. Et il est hyper fier de sa nouvelle bouche d'influenceuse. Et si vous voulez la même, vous allez sur son compte Instagram. Il y a moins 10% avec le code promo GGSindou24. Ça dure 24 heures, profitez-en. Cinéma, avec le coup d'envoi il y a quelques minutes de la Biennale de Berlin, l'occasion pour nous de faire un débrief des looks du tapis rouge. Ça faisait longtemps, c'est le retour du point moquette, ou comme on dit en allemand, selon Bruno Le Maire, le point moquettade. On a vu un arc-en-ciel de toute beauté, une vraie boule à facettes, mais également une dame en boule à facettes, une éponge de douche, un sachet de mini-doux fraîcheur lavande, monsieur qui a des fourmis dans les doigts. Un bouquet d'hortensias de toute beauté, Sherlock Holmes sur une grosse enquête. Et non, madame, c'est de l'autre côté. Voilà. Et petit tips, ne prenez pas de sac à main, c'est pas pratique. Voilà, reprenez le sac à main, on est sur le tapis rouge. Oui, mais c'est quand même handicapant, donc je le repose. Mais non, mais vous pouvez pas le laisser vigipirer à tout ça. Reprenez-le, reprenez. Bon, je le reprends, c'est chiant. Et on referme ces actualités avec, et ça c'est une bonne nouvelle, une nouvelle vidéo de propagande, ça faisait très longtemps, qui a été publiée par la Corée du Nord. Je ne maîtrise toujours pas la langue, mais c'est l'occasion pour moi de faire un... Bah, n'hésitez pas à me laisser finir le lancement. Hein. On peut revenir en plateau, s'il vous plaît. Merci. Le retour du plus grand cabaret du monde de Kim Jong-un. Salut, bande de vieux culs. Bienvenue au plus grand cabaret du monde. Allez, Chin, avec moi, Sofa Bagel. On fera ce soir encore du grand spectacle. Dans un instant, Daniel arrive à faire voler un piano. On aura aussi un BD Toto Coutugno. Mais d'abord, un poteau, un artiste, vous allez voir, il est dingue. Il s'est fait la tronche de Michel Denisot. Et le résultat est bluffant. Le SAV, la suite tout de suite, Omar et Fred. Je vous sens pas hyper convaincu. Je peux faire Chirac sinon, crac-crac, écothèse. Non, n'applaudissez pas, c'était de la dope. Dans un instant, si Creed et Android vont jongler avec des assiettes. Mais d'abord, place au spectacle et à la magie. C'est le Moulin Rouge. Allez, Munich. Arrêtez.
C'est pathétique. Mais l'info continue demain. Bonne soirée. Bravo.